98% pour le Kabadougou, 97% pour le Bafing et 96% pour le Folon. Ce sont les taux de couverture enregistrés au cours de la récente campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants de 6 mois à 9 ans, tenue du 23 au 30 novembre dernier. Une campagne associée à l'administration des déparasitants des enfants dont l'âge varie entre 5 et 9 ans. Sur le terrain, les décisions du gouvernement en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS et l'UNICEF ont été appliquées en vue de permettre à ces régions frontalières de la Guinée et du Mali de réduire le risque de survenue des épidémies. Pour la réussite de cette campagne de vaccination dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, des séances de sensibilisation ont été menées par les autorités administratives et sanitaires ainsi que les chefs de communauté. Des séances qui ont porté des fruits avec ces taux élevés de couverture en vaccination. Au cours de ces différentes rencontres, le sujet de la fièvre à virus Ebola a été rappelé afin que les mesures prises par le gouvernement soient respectées pour éviter à la Côte d'Ivoire toute contamination de ce virus.